What's up? Je suis en train de mourir, wesh! What's up, l'internet? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les amis, on va faire un 1v1 contre. C'est bon, en fait, j'étais dans un KT et le gars, à ce qui paraît, je sais pas trop, là, il disait que j'étais pas très doué ou je sais pas quoi. Donc, on va. Prêt. On va fight contre lui. Et à ce qui paraît, je les focus. Donc, j'ai la séquence. Je vais vous la mettre à la fin si vous voulez. À ce qui paraît, je les focus ou je sais pas quoi. Donc, on va jouer contre lui. On va voir nos. Il a la même armure que moi, full P2 avec une T2. Ok, il est prêt ou pas? Ok, go. Oh, calice, t'es-tu sérieux, man? J'ai pris une speed. Bon, c'est pas, j'ai pas besoin de ma speed. Je vais quand même le tuer, je suis sûr. Si je gagne, tu me bannes pas. Ok. T'inquiète, tu gagneras jamais, man. Il y a un peu de trou, on va jouer avec le terrain. Pourquoi je te bannerais si tu gagnes, yo? What the fuck? Away! GG. Il a gagné le tournoi. Ah, c'est ce que je pensais. Ça va être plutôt. Ça va être différent de d'habitude. J'ai mis ma sensi un peu plus haute parce que ce qui paraît, pour apprendre à toucher le gars, faut mettre sa sensi plus haute. Genre, j'ai écouté les conseils que vous m'avez donné dans ma dernière vidéo que j'ai faite à propos du PVP, justement sur PVP Launch. Je sais que les KB sur FX sont pas les mêmes que sur les serveurs normaux, donc c'est peut-être ça qui est un peu moins fort pour lui, qui lui dérange peut-être, mais c'est clair que on a le dessus sur ce joueur-là. Enfin, en cette situation-là, je pense que même on pourrait même dire qu'il est en train de se faire rec. Mais bon, je suis pas encore sûr, je veux dire, on verra en temps et lieu. Pour l'instant, j'ai même plus de speed, puis je continue quand même à mettre des bons petits coups. Faudra reprendre une speed bientôt, par exemple, aussitôt qu'il va commencer à s'échapper, on va avoir des problèmes. Ok, on va perdre au-dessus, on va bouffer, on va perdre, allez, on va speed, on va ça. Oh, il a perdu, là, là. Fait quoi, il y en a qui m'ont dit genre baisse un peu ta sensibilité. Il y en a d'autres qui m'ont dit augmenter. Il y en a qui m'ont dit d'augmenter le temps que je sois capable de trouver une sensibilité correcte, le temps que je m'habitue à aim correctement. Donc, ça, c'est ça que je pratique en ce moment, essayer de aim un peu mieux. J'avais vraiment un aim de marde avant. Donc, là, j'essaie vraiment de tout le temps pratiquer mon aim. C'est sûr que c'est. Lui, en plus, il prend 10 dégâts de moins au passage, vu qu'on est dans son claim, si vous avez pas compris. Comme là, regarde, on est rentré dans son claim ici, lui il perd 10 dégâts de moins. Donc c'est avantageux pour lui, mais bon, en même temps, moi je m'en fous, je suis là pour m'amuser, vous proposer du contenu sur ma chaîne. Et puis lui, ben, ça lui fait un petit fight, il est content. Par exemple, ouais, les knockbacks sont vraiment dégueulasses. Faudrait que je fasse une peut-être une petite mise à jour avec Elox, essayer de voir pour fixer les knockbacks. Parce que franchement, c'est pas top les knockbacks. Donc moi, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis vraiment, vraiment nul au PvP. En fait, je suis pas le meilleur, mais je suis pas non plus le plus nul. Je veux dire, j'ai les bases du PvP. Je suis capable, Close m'a quand même montré quand même PvP un peu. Lovechuck m'a réussi à l'époque, il m'avait montré comment PvP. Tu sais, je veux dire, j'ai les bases. C'est juste que je jitter pas, j'ai fait pas beaucoup de CPS. Je dois faire genre 6 CPS, je pense, quelque chose comme ça. C'est pas énormément, mais il y avait plus de potions. Ouais, il y avait encore des potions. En plus, il y avait des potions stack. GG. J'ai une preuve d'un cheater. Tu as escape. Bien sûr, attends. Donc, on va d'ailleurs. Lui, il y avait des potions stack. What the fuck? Ah, ouais, j'avais donné un kit pour qu'il puisse. J'ai beaucoup plus. Ok, il restait 32 de durabilité. Moi, on avait genre 200 coups de plus sur que lui. Donc, on va le S ici pour qu'il puisse récupérer son stuff. Let's go, prends ton stuff. Moi, je vais juste clear ça. CI, CI. Puis, toi, tu peux prendre tout ça. Donc, voilà ce qui était ton stuff de base. Donc, je vais essayer de me trouver. On fait un 1v1. Ben, regarde, j'allais dire, on va se trouver quelqu'un d'autre. On va aller directement set up un 1v1 avec lui. Puis, je vous reprends dès que c'est fait. Ok, fait que j'ai donné le stuff. J'ai tout crissé ça là. Fait que si quelqu'un veut récupérer, il peut récupérer. On s'en fout. De toute façon, c'est des potions, des perles, des trucs dans le genre. Fait que lui, qu'est-ce qu'il a pris? Il a fait une fire res. Je sais pas pourquoi il a pris ça. Il devrait prendre ça comme ça.
Juste un petit conseil, t'as pas besoin de Fire Red, jeune homme, parce que j'ai pas de trucs, donc prends-toi une pote de plus. Lui, il joue avec beaucoup moins de speed. Je devrais peut-être faire pareil, en fait, il a raison, parce que le combat, il va pas être super, super long. Fait que je pense que 4 speed, ça devrait le faire. Il a raison, c'est vraiment un bon truc. Puis, ben là, on a pas mal le même inventaire des deux côtés, full P2, et puis voilà. Donc, quand il est prêt, je suis prêt. Donc, let's go, motherfucker, let's roll. Ok, il bouffe dès le départ. Ok, je sais pas pourquoi. Ça se peut qu'il soit vraiment meilleur que nous. Hein. J'ai aucune idée, j'ai jamais PvP contre lui. Oh, what? On aurait pu quick pop là-dessus. Je pensais même qu'on allait quick pop. Hein. Quick pop, en fait. Let's go. Ouais, les KB sont vraiment pas très doués. Hein. Il est vraiment meilleur que nous, par exemple, lui. Je trouve que ce qui est différent avec les Américains, genre je PvP beaucoup sur MineHQ, les gens sont beaucoup plus simples à fight parce qu'en fait, de un, ils ont beaucoup moins d'MS que moi. Enfin, on a le même nombre d'MS. Par exemple, lui il a 50 MS, ben moi j'ai, genre, en ce moment, lui il a genre 50 MS, moi j'en ai 128. Mais aussi, pas juste ça, en fait, le truc c'est que sur les serveurs US, ils utilisent pas des Regedit ou je sais pas trop quoi, les trucs que vous utilisez, vous là, les Français. Genre, plein de gens ils m'ont dit, ouais, mets des DNS ou des Regedit ou des trucs dans le genre. Gros, ça sert à rien d'utiliser des affaires de même. Après, certes, je comprends, il y en a qui ont besoin de ça pour être bon, mais genre, moi je vais jamais installer des trucs comme ça, je trouve que c'est juste inutile. C'est un jeu de cube à la base avec des potions, les gars, je vois pas c'est quoi. Le but de ça, tu comprends? Je vais juste perdre un peu plus loin. Wow, j'ai fait le perdre à cause qu'il y avait un dude en invisible. Bravo le gars qui est en invisible. Tac, 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 tac. On va prendre ça. On va bouffer. Il est vraiment doué, hein? Il se débrouille bien, il se débrouille bien. Il est meilleur que moi, quoi. Tout va jouer, genre. Ouais. Tout se joue. Le PvP, ça joue pas mal sur la connexion. Ouais, voilà, c'est ça. Tout se joue sur la connexion. Tout se joue sur la connexion. C'est pas grave, il était vraiment meilleur que nous. Je pense qu'il y avait même beaucoup plus de potes que nous. J'ai vraiment été drain au début. Check. On peut pas vraiment voir. Mais il a vraiment mieux joué que nous. On va se trouver une autre personne pour 1v1. Puis après ça, on verra. À tout de suite. Je me suis TP à lui. Il veut faire un 1v1. On va lui. On va lui drop le stuff. Prends ça. On va lui drop 2 kits PVP, donc on va lui drop speed et heal. Ainsi que les debuffs, on n'en a pas besoin. Fait qu'on va faire. Attends, on va se mettre en game mode vite fait. Prendre ça, on va se prendre. On va lui donner un kit. On va se faire 2 kits PVP, on va lui donner un peu plus de heal. Qu'elle va pouvoir. Ou il va pouvoir. Je sais pas trop, whatever. Comment il. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait là encore? Tac, 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 tac. Prends les heals qui te manquent. Voilà, on va refaire un kit PVP. Donc, on va set up un autre 1v1, puis ça va être pas mal tout pour la vidéo d'aujourd'hui, en fait. Peut-être rajouter un petit séquence de KT, comme j'ai dit, la séquence du KT où ce que j'ai tué du monde avant de me faire focus, puis j'ai un petit peu réagi sur la personne. En fait, le gars, il m'a grave. Je n'ai rien fait contre un 1v1, et le gars est arrivé, il m'a pas respecté. C'était pas très gentil. Il veut prendre un screen. Whatever. On va regarder vite fait son inventaire à mon ami Kimberly. S'il est good, il y a 25 heals, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Je sais pas comment tu veux t'arranger avec tes speeds, mon boy, mais pas de potions stackées si possible. Donc, on va juste tout clear ça pour pas qu'il puisse récupérer des heals dans le combat. Ce que je trouve totalement logique. Donc, voilou, voilou. On aura une île de moins, mais c'est pas grave. Go. Tu peux screen avec moi. Ouais, après, je vais me déplacer, beau. Gosse, t'inquiète pas. Donc, c'est parti. T'as drink ta speech, j'espère? Ouais. C'était plutôt vite. Ok. On trouve une autre personne, les gars. Ok, c'est bon, on a trouvé un T-Raw. Il y a Twitsender puis Nomis qui vont observer la game. So, let's go. Il a dit qu'il allait se faire défoncer. Je sais pas s'il va vraiment se faire défoncer. On va voir ça maintenant. Oh,
Quick pop. Il y a quick pop assez rapidement. Donc ouais, GG. Ok, on a trouvé un dernier fight. Go. C'est dur de PvP à 10 FPS. Il est prêt, je te vois pas. Slash V, slash V. C'est bon, tu me vois. Good luck and have fun. Oh, si, il est bon, lui, tabarnak! Non, peut-être pas tant que ça, il y a juste une nestie de reach de malade, man. What the fuck? Il me tape de fucking loin, lui, comparativement à moi. Check ça! What? Wait, what? J'étais de dos, what the fuck? Il était de dos à moi, puis il me tapait, dude. Holy fuck. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. En espérant qu'elle vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous aime. C'est Taekwondo. Ciao. T'as oublié de...